Et bonjour à tous, bienvenue sur E-World Oldies, c'est Mitch. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu particulier, car il est donc sur la plateforme Amstrad GX 4000. Alors c'est la raison pour laquelle je le prends au caméscope, tout simplement parce que mon logiciel de capture n'est pas compatible avec la sortie vidéo de la console. Pardon, car oui, c'est une console, l'Amstrad GX 4000, sortie donc en 1990 et livrée, fournie avec ce jeu. Deux manettes, et puis voilà, globalement la notice, et puis c'est tout. Donc, il faut savoir que cette console était sortie en même temps que les 16 bits. Elle était d'abord là pour contrer justement les consoles 16 bits. Donc voilà, et il y avait ce jeu livré avec. Et moi franchement ce jeu, j'y ai passé des heures et des heures. Pourtant c'est pas forcément un bon jeu, mais je sais pas, ce jeu a un petit... Oh là là, vous voyez je parle. Ce jeu a un petit quelque chose. Je saurais pas vous dire quoi, mais par rapport à l'Amstrad, ça a été mon jeu préféré et auquel j'ai joué le plus. Parce qu'il faut savoir que, c'est l'anecdote, je vous parle de ma vie. Mais il faut savoir que moi l'Amstrad c'est la seule console que j'ai eue pendant un certain moment. Donc voilà quoi, c'est peut-être la raison pour laquelle aussi j'ai joué à ce jeu à mort quoi, parce que de toute façon c'était le meilleur jeu qu'il y avait sur l'Amstrad. Peut-être avec le Robocop, qui était pas trop mal non plus, que je possédais, le Barbarian aussi qui était pas mal. Et puis il y avait un autre jeu de bagnole, Crazy Cars, si je dis pas des conneries. Et globalement c'est tout, après j'avais eu d'autres jeux mais franchement totalement pourrave. Donc voilà, globalement c'est tout pour l'Amstrad GX 4000, mais... Oh purée, vous voyez, je parle et tout, je joue comme une noob là. Là en plus, c'est les qualifications. Et sans doute, je vais même pas être qualifié. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas possible. Time is up. Bon, c'est pas grave. On va recommencer. Donc, ce jeu, oui, ce jeu, franchement, m'a marqué tout simplement. Et donc, je voulais vous en faire un petit vidéo test. Et vous le présenter à la fois. Et vous verrez qu'il est pas si mauvais. Bon, déjà vous remarquerez, désolé pour la rétine d'ailleurs. Regardez, je vais me taire pendant 30 secondes. Voyez-vous même, les bruits sont ignobles, l'absence totale de musique, sauf dans les menus. Et franchement, les musiques dans les menus, il m'arrivait parfois de perdre et juste de laisser la console aller comme ça, juste pour entendre cette musique. Parce que franchement, je vais vous la faire écouter après et vous verrez qu'elle est franchement magnifique. C'est d'ailleurs, je crois même, la future musique que je vais mettre dans mes futurs génériques à venir, parce que vraiment, elle m'est revenue. Vous voyez, c'est une musique que j'ai pas oubliée, celle du départ. Et celle de fin, franchement, ces deux musiques que j'avais pas oubliées et qui me sont... Enfin, si, je les avais oubliées, mais lorsque je les ai réécoutées, elles me sont tout de suite revenues en mémoire. Ah, mais c'est pas possible. Vous pouvez remarquer, la possibilité, donc, de bousiller les voitures. Ça, c'était pas mal. Ensuite, ce jeu... Bon, pour en revenir au jeu, parce que j'arrête pas de vous parler de mes anecdotes, et c'est du grand n'importe quoi. Alors, pour parler du jeu, voyez, donc, dans un premier temps, il y a les qualifications. Ça, c'est intéressant. Franchement, c'est assez intéressant. C'est son côté réel course, voyez. C'est ce qui a fait que ce jeu était un petit peu accrocheur quand même. Les graphismes, ma foi, bon, c'est du 8 bits. C'est du 8 bits. À 4096 couleurs. Voilà. D'ailleurs, en générique de fin, je vais certainement essayer... j'espère parvenir, parce qu'à l'heure actuelle où je fais le vidéo test, j'ai pas encore essayé de capturer la vidéo de la publicité du lancement de l'Amstrad. Franchement, si j'ai la possibilité, je terminerai en générique avec cette musique, juste pour se remémorer encore une part de nostalgie. Moi, cette console, c'est une part de nostalgie. Et c'est vrai que d'un autre côté, je sais pas pourquoi ils ont sorti cette console pour contrer donc la Super Nintendo et la Sega Mega Drive. Faut le souligner quand même. Franchement, je ne sais pas s'ils ont sorti cette console par faute de moyens ou s'ils avaient rien compris, mais franchement, vous voyez par vous-même quoi, sortir encore, ils auraient voulu contrer la Nintendo NES et l'Amstrad.
au lancement de cette console, j'aurais dit oui. Mais là, c'était pas possible. Vous voyez par vous-même, hein. Enfin, bien que ce jeu est intéressant, hein, ma foi, franchement, pour un jeu 8 bits, voilà comment faut classer, faut classer ce jeu en tant que jeu 8 bits, vous voyez. Faut pas le classer en tant que l'époque, parce que c'est clair que pour l'époque, ce jeu était totalement pourri. Ça, faut le souligner. Franchement, pour l'époque, il était dépassé. Pas pourri, mais dépassé. C'est le bon mot. Pardonnez-moi. Oui, le bon mot, c'est ça, dépassé. Mais franchement, pour un jeu 8 bits, ce jeu était intéressant. Parce que vous voyez par vous-même, c'était une véritable course. Bon, la course se passait, vous voyez, à garer les engins. Bon, par contre, au niveau des voitures, je ne sais pas si ça se décompte réellement. Honnêtement, s'il y en a moins, parce que en vérité, il y a toujours le même nombre de voitures. Hein. On en voit qui nous double, on en voit qui... Voilà. Donc, je pense que c'est pas réellement pris en compte. Mais néanmoins, il y avait quand même des voitures qui s'explosaient. Vous voyez, la nuit en temps réel, franchement, ça, c'était pas mal. La diversité des... Oh là 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 là, mais là, il n'y aura aucune possibilité de vous les montrer. La diversité des niveaux, vous voyez, ça, c'était pas mal non plus. À un moment donné, on va complètement passer sous un pont et tout, j'espère y parvenir. Vous voyez, ah ben voilà, on y est, justement. Donc, c'est bon, je pense que... Bon, et après, globalement, c'est tout, hein. Je veux dire, la course ne va pas plus loin non plus, mais pour un jeu 8 bits, franchement, ce jeu était pas mal. Mais dommage que l'Amstrad est sorti donc en 1990, cet Amstrad GX4000. Moi, franchement, je l'ai eu, je l'avais acheté à la foire fouille. Faut savoir qu'au départ, au lancement de la console, en plus, elle coûtait 990 francs. Je sais pas si vous vous rendez compte, 990 balles, quoi. C'était le prix d'une Sega Mega Drive ou alors d'une Super Nintendo, il me semble, hein, à quelques francs près, quoi. Donc, franchement, malheureusement pour Amstrad, c'est ce qui a fait qu'ils ont totalement lâché l'affaire, quoi, hein, de toute façon. Hein. Et voilà, pour la petite anecdote. Mais, ce jeu, voilà, pour moi, ce jeu a un côté coup de cœur quand même, vous voyez, parce que c'est l'un des meilleurs jeux de l'Amstrad GX4000 et de l'Amstrad CPC que vous avez devant les yeux. Et donc voilà, c'est juste pour ça que je voulais vous faire ce test. C'est surtout une part de nostalgie, je peux pas vraiment vous dire si le jeu est bien ou pas bien, c'est pas possible. Ce jeu est nostalgique pour moi, et voilà, donc je voulais vous le présenter, c'est chose faite. Parce que je vois qu'on est déjà rendu à 10 minutes, et j'ai plus tellement de batterie, j'ai peur qu'il n'y ait plus de batterie dans le caméscope. J'espère aussi que le rendu sera pas trop pourrave. Bon, par contre, comme il était possible de capturer le son, je vous ai quand même capturé le son, rien que pour les musiques. Franchement, rien que pour les musiques, je vous ai capturé le son parce que, franchement, elles valent le détour. Oh là là là, on va perdre. De toute façon, dès que j'ai perdu, sitôt que j'ai perdu, on arrêtera la vidéo. Voilà. Vous voyez, regardez les différents panoramas sur la droite. Par contre, j'ai pas parlé du gameplay, ça je crois que je peux en parler. Franchement, aussi là, c'était bon. Bien que dans les options, il y avait la possibilité de les changer, hein, de mettre donc le bouton d'accélération avec le bouton A. C'est le 1, pardon, c'est le 1 sur la manette Amstrad parce que c'est une manette de boutons. Hein. Mais là, faut savoir que le jeu d'origine se passe avec la croix multidirectionnelle, c'est-à-dire on accélère avec la croix multidirectionnelle. Ah bah voilà, j'ai perdu. On accélère donc avec la croix multidirectionnelle et on tourne également avec la croix multidirectionnelle. Alors, pour tout vous dire, notre pouce, franchement, à la fin, il était totalement pété en deux. Voilà quoi. Parce que bien souvent, moi, je m'emmerdais pas à aller dans les options. Donc voilà, c'est un peu dommage, je le sais. Donc là, je vais me taire et on va écouter un petit peu la musique. Je vais même augmenter le volume, ça fera un mix. Alors il faut savoir que les musiques, on peut savoir qui c'est qui les a écrites, pour ça je vais vous le montrer. Mais je me tais. Oh,
Ah, franchement, cette musique, énorme. Et moi, je laissais la console tourner. Lorsque j'étais jeune, je vous jure que c'est la vérité. Ah ouais. J'avais 8 ans, moi, au lancement de cette console. Mais je l'ai eu un peu plus tard, moi. J'ai eu pour 300 ou 400 balles, je sais plus à l'époque. Enfin voilà, on va regarder un petit... Franchement, elle est énorme, cette musique. Même celle-ci, hein. Regardez. Là, de toute façon, faut laisser aller. Malheureusement, faut patienter un petit peu. Et on va pouvoir voir le nom des designers du jeu, en fait, des créateurs du jeu. Ah là là, énorme. Franchement, ce jeu, voilà. Voilà, rien que la raison pour laquelle j'adorais le jeu. Mais même le gameplay et tout ça, il est... Ma foi, il est... On s'y amuse quand même au jeu. C'est la vérité, croyez-moi sur parole. Bon là, c'est une vidéo un peu pourrave, je reconnais. C'est pas une réelle capture, c'est pour ça que c'est... C'est une vidéo un peu live que je vous fais, c'est vrai. Mais voilà, je voulais vous présenter cette console comme ça. Même si c'est une console qui n'a pas marché, on comprend pourquoi. Il y a eu ce jeu. Voilà, et ce jeu, pour moi... C'était quelque chose. Voilà, et ça, c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment vous le présenter. Bon, par contre, c'est un peu long, je suis désolé. J'essaye de vider les creux. Normalement, le jeu va se lancer, il va y avoir une petite démo qui va se lancer. Et de là, on va voir les noms des créateurs des graphismes, tout ça, quoi. Et de la musique. Qui, malheureusement, j'ai pas retenu les noms. Mais ça mérite qu'on y attende un petit peu et qu'on aille les voir. Ah, voilà. Bon, vous voyez, malheureusement, pendant la démo, absence totale de la musique. Ça, c'est dommage. Alors, Program and Design, John O'Brien. Je vais faire les commentaires, hein, tant qu'on y est. Vous voyez, hein, l'effet nuit, tout ça, franchement, c'était pas mal. Avec les smileys sur la droite. Non, franchement, ce jeu avait quelque chose. Regardez, les animations de la voiture, ils sont pas mal non plus. Les graphismes, Robert Emphill. Vous voyez, les animations des véhicules sont pas trop mal non plus. Regardez. C'est ce qui fait que ce jeu n'était pas vilain. Ah, voilà, musique John Dunn et Matthew Cannon. Enfin, John Dunn, ou bien, je sais pas comment on le prononce, et Matthew Cannon. Franchement, félicitations à eux. Dommage qu'il n'ait pas créé de jeu, de musique pendant le jeu. Parce que franchement, peut-être, ce jeu aurait fait qu'il aurait été encore plus accrocheur. Et voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation de ce Burning Rubber. Et voilà, donc sorti en 1990, développé par Ocean Software. Et comme je disais, regardez, en pressant le bouton 2, on pouvait aller dans les options. Alors... Press fire to set control to set gear. Alors là, voilà, manuel, on s'en fout. Ouais, là, c'est pour voir un peu le manuel. Automatique. Ouais. Alors, on pouvait choisir, vous voyez, la boîte de vitesse, si on voulait qu'elle soit en manuel ou en automatique. Je me souviens plus ce qu'il y avait dans les options. Hein. C'est pour ça qu'on regarde vite fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Press 1 to control. Je sais qu'il y avait l'accélération normalement. To control, voilà. Accélérate. Ah, voilà, brake. Voilà, vous voyez. On pouvait choisir l'accélération, tout ça. Bref, je comprends pas trop l'anglais, je suis désolé. Donc voilà, c'était une petite présentation de ce Burning Rubber, développé donc par Ocean Software, sorti en 1990, mais ça on s'en fout un petit peu, mais... Donc sorti sur l'Amstrad GX4000, donc voilà, et sachez que vous pourrez retrouver nos prochains tests, je vais baisser un petit peu là, nos prochains tests, j'ai donc sur E-World Oldies, et voilà, à bientôt les amis, ciao. Mon gars, regarde ça, le nouvel Amstrad, je te dis pas, 61, 28 plus, c'est un vrai micro, tes cours, tes maths, ton traitement texte, tu les prends.
programme sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Rigole à Mac sur des tas de jeux. Super graphisme, 4000 couleurs. Son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa. Nouveau 6128 plus Amstrad sur cartouche et disquette. Je suis ours des Carpates. Et moi, le croco Amstrad. C'est pour jouer sur la télé. La nouvelle console de jeu Amstrad, elle est dans le coup.